Africains, africaines, bonsoir. Ivoiriens, ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 24 septembre 2021. Veille d'un grand événement qui va permettre à la Côte d'Ivoire de renaître, qui va permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ses marques. Je disais donc que nous sommes à la veille d'un grand événement. Je vais vous faire écouter deux sœurs qui m'ont envoyé des notes vocales pour chanter le chant que vous connaissez maintenant. Il faudrait que nous nous approprions ce chant. C'est vrai que nous avons l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise, que nous connaissons, qui a des paroles fortes. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu l'ode à la patrie qui a été un moyen pour magnifier la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi cette chanson-là qui mérite d'être prise en considération. En tout cas, pour vous qui suivez mes vidéos, vous savez aujourd'hui que ce chant-là, il a une certaine valeur à nos yeux. Parce que ce que je fais, nous le faisons ensemble. Même s'il arrive des fois que je dise « je », c'est toujours en votre nom que je parle. Je vais vous faire donc écouter les deux sœurs qui ont chanté la chanson Les générations qui doivent succéder aux générations. Vous allez écouter ça et puis on va avancer. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations. Oh, j'ai oublié. Je suis messager, donc il faut garder ça à chose. Est-ce que vous entendez? Est-ce que le son est bon? J'ai mis au maximum là. Je vais reprendre. Travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Elle est son unique destinée, puisque brave et fière, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous nous vivrons pour l'aimer. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous nous vivrons pour l'aimer. J'ai essayé de mettre le son au maximum. J'espère que vous avez entendu. Donc, comme les deux sœurs ont chanté, je ne vais pas dire leur nom pour les protéger. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter parce qu'elles ont déjà chanté pour moi et mieux même que quand moi je le fais. Alors, hier, j'ai fait une vidéo où c'était l'hommage. Est-ce que vous avez bien entendu même? Je n'ai pas vu de réponse. Est-ce que vous avez entendu? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez entendu.
J'espère vraiment que vous avez entendu. Et donc, hier, oui, vous avez bien entendu, merci, Brigitte Golou. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire, c'est notre chose à tous. Et il y a des paroles fortes comme ça qu'on peut se transmettre, qui peuvent booster certaines choses en nous. Et donc, ces deux sœurs-là ont envoyé leur participation parce que chaque fois que je chante, chaque fois que je fais une vidéo, je chante ça. Elles ont dit, sœur, voilà, nous, on va participer, on va chanter aussi. Donc, aujourd'hui, je ne chante pas. Ce sont les deux sœurs-là qui ont chanté. Alors, hier, pour ceux qui ont vu le direct que j'ai fait, il était tard. Aujourd'hui encore, il est tard, malheureusement. C'était l'hommage à nos mamans. Parce que, selon l'explication que j'ai eu à donner hier, quand un enfant doit venir au monde, on prépare son trousseau. Alors, la question, c'était, est-ce que nos mamans ont fait le trousseau pour l'enfant qui est en train de venir? Parce que cet enfant-là, il va naître demain. Alors, les mamans ont été appelées. On leur a demandé d'emmener leurs plantes, leur décoction et tout ça qu'elles savent faire pour faciliter les accouchements, qu'elles viennent. Parce que ce sont leurs enfants qui veulent montrer qu'elles les ont éduqués comme il faut. Et j'ai promis qu'aujourd'hui, ça allait être le tour des papas. Et de la manière dont je suis habillée aujourd'hui, là, je pense que vous voyez nos papas, hein, avec le chapeau et puis le pagne sur l'épaule. Hein? Le pagne sur l'épaule. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça, la grandeur de chez nous. Alors aujourd'hui, c'est hommage à nos pères. Et je vais vous raconter une histoire pour illustrer l'importance du père. Parce que le père, c'est vrai qu'on dit c'est la maman qui donne la vie, mais c'est le père qui féconde la maman et puis elle donne la vie. La maman, elle porte l'enfant, elle lui donne tous les nutriments nécessaires pour qu'il vienne au monde. Et elle éduque l'enfant. Mais c'est le père qui fait de l'enfant un homme. C'est le père qui achève le travail de la maman par son recadrage, par ce qu'il apporte à l'enfant. Le père est comme le garde-fou pour l'enfant. Alors, on ne peut pas parler de la maman, on ne peut pas parler de la naissance d'un enfant sans parler du père. Alors aujourd'hui, j'appelle les pères de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les pères qui peuvent me mettre au monde. Donc, je m'adresse à eux, je m'adresse à mes grands-parents, je m'adresse à ceux qui peuvent me mettre au monde, je m'adresse aux pères de ma génération et je m'adresse à mes enfants qui sont à mon fils aîné qui est père aussi. Donc, je m'adresse à ces papas-là de la génération de mes enfants. Nous ne pouvons rien faire sans vous, chers pères de Côte d'Ivoire, parce que nous avons besoin de vous. C'est vous qui nous recadrez, c'est vous qui êtes les garde-fous, c'est vous qui faites de nous des personnes accomplies. Alors, on a besoin de votre sagesse et de votre bénédiction, parce que c'est le papa qui transmet l'héritage. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné dans nos sociétés. C'est aujourd'hui parce que certaines choses ont changé. Sinon, c'est du père qu'on reçoit l'héritage. Et nous disons à nos pères aujourd'hui, est-ce que l'héritage que vous nous avez légué, est-ce que la Côte d'Ivoire que vous nous avez donnée, est-ce que vous êtes fiers de cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui? Je suis sûr que non, parce que ce n'est pas ce que vous nous avez enseigné. Ce n'est pas ce que vous enseignez vos pères. Vos pères vous ont transmis la Côte d'Ivoire et vous nous l'avez transmise. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Alors l'héritage que vous nous avez donné là, nous avons pris conscience aujourd'hui de son importance et de sa valeur. Et donc, nous voulons donc replacer cet héritage-là sur son bon siège. Nous avons besoin pour ça de votre bénédiction et nous avons besoin de votre sagesse, cher père de Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous raconter une histoire pour que vous voyez l'immensité de la sagesse de nos pères. C'est un homme qui sentait sa mort venir. Alors, il allait voir le chef de terre de son village, qui était en même temps son ami d'enfance, et il lui a dit, « Quand je vais partir, j'ai laissé 17 canards à mes enfants. » Parce que mes enfants, ils passent tout leur temps à se disputer. Et je ne veux pas leur laisser la facilité. Je veux qu'ils apprennent. Alors, je vais te laisser. En fait, quand je vais partir,
je leur laisse 17 canards. Et ces 17 canards-là, c'est ça qui sera leur héritage. Mon fils aîné, tu lui donnes la moitié des 17 canards. Au deuxième, tu donnes le tiers des 17 canards. Et au troisième, tu donnes un neuvième des 17 canards. Et il dit, bon, il dit, c'est ce que j'ai décidé. C'est ce que j'ai décidé. Parce que mes enfants, je ne les ai pas éduqués comme j'ai vu. Ils se sont laissés entraîner par la cupidité. Ils se sont laissés entraîner par l'envie. Ils se sont laissés entraîner par plein de choses. Et je les vois aller. Je sais qu'ils attendent cet héritage-là. Alors cet héritage-là, il va falloir qu'ils le méritent. Voilà pourquoi je leur laisse 17 canards. Et quelques temps plus tard, le monsieur est décédé. Alors l'ami d'enfance, en même temps le chef de terre de ce village-là, parce que nous avons dans tous nos villages des chefs de terre, mais aujourd'hui, avec le modernisme, les chefs de terre n'ont plus de respect. C'est l'État qui gère aujourd'hui les terres dans nos villages. On peut revenir à certaines de nos valeurs. Ça peut recadrer un certain nombre de choses. Alors, il allait, quand le monsieur est mort, ils ont fait les funérailles et quand c'est fini, il a réuni les trois fils. Ils étaient impatients de savoir ce que leur laissait leur père. Il leur a dit, bon, votre père m'a dit qu'il vous laisse 17 canards. Les trois se sont regardés. Il dit, toi l'aîné, tu vas avoir la moitié des 17 canards. Il était content d'abord. Avant que son cerveau ne se mette à réfléchir, à faire un calcul rapide. La moitié de 17 canards. Mais 17, c'est un chiffre impair. Comment est-ce qu'on peut... Ok. Et toi, le deuxième, tu vas avoir le tiers des 17 canards. Aïe! Mais comment est-ce que... Toi, le dernier, tu vas avoir un neuvième des 17 canards. Alors, quand vous serez prêt pour le partage, vous venez me trouver, on va régler ça. Sur le chemin du retour, le plus grand dit, mais non, moi, je vois pas d'abord même, je vois même pas comment est-ce qu'on peut diviser 17 par 2. 17, il me donne la moitié des 10, mais c'est n'importe quoi, mais c'est quelle foutaise ça. 17 canards, on va diviser par 2. 17 canards, on va diviser par 3. 17 canards, on va diviser par un neuvième. Ça, c'est quoi ça? Moi, c'est moi l'aîné. C'est moi qui aidais le vieux avant que vous ne veniez au monde. Moi, je l'aidais dans les champs. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, normalement, moi, je dois avoir au moins plus que vous. Je dois avoir au moins 10 canards. Le deuxième dit, mais toi, tu vas prendre 10 canards là. Il va rester 7 canards. On va diviser ça comment? Dans ces conditions, prends, je sais pas moi, prends 9 canards et puis tu nous donnes. Il dit, le petit a dit, un. Le vieux, on va écouter ce que le vieux a dit. Mais toi aussi, on va écouter ce que le vieux a dit là. 17 canards, on va diviser ça comme. Je dis que c'est moi. C'est moi qui dois prendre la moitié. Parce que c'est moi l'aîné. Le deuxième dit, ça, je suis pas d'accord avec ça. Le troisième, le petit dit, non aussi. Donc ils ont commencé à se battre. Sérieux là, héritage. Héritage. Toute la vie du papa qu'il a mis dans ça là, vous allez venir vous battre dessus. Vous avez participé. Bref. Donc ils se sont chamaillés, sérieux même, et chacun a pris sa route. Et pendant quelques jours, ils ne se parlaient pas. Ils se parlaient mal dans le village. Un jour, le chef de terre leur a fait appel. Il dit, est-ce que vous êtes prêts à venir Non, on n'est pas prêts. On n'est pas prêt. Comment ça? Et l'aîné a dit, moi, quand je suis né avant les autres, j'ai accompagné papa partout. J'ai participé avec lui. J'ai creusé le puits avec lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça avec lui. Il meurt, il laisse 17 canards. Mais ce n'est pas la foutaise ça. Et dans les 17 canards là, il dit, moi, on a quand même donné la moitié. 17 canards, on va diviser moitié. On va diviser un canard en deux ou bien quoi. On va couper le canard en deux. Et le deuxième aussi. Oui, ça c'est la foutaise. Toi, tu dis que c'est toi qui a travaillé avec le vieux. Moi aussi, j'ai travaillé. Tu penses que j'ai pas fait ma part aussi? J'ai fait ma part aussi. Et je ne suis pas d'accord avec ça.
Le dernier aussi dit, oui, ça c'est là, c'est les foutaises. Ton ami là, il s'est foutu de nous. Le vieux dit, allez réfléchir encore. Est-ce que vous voulez une solution? Mais avant de trouver une solution, comment? Toi-même, quand tu réfléchis là, quand tu réfléchis là, hein? 17 canons, on peut diviser en deux. On peut diviser 2 canons, 17 canons, 17 canons en deux. Il dit, j'ai posé une question. Est-ce que vous voulez une solution? Ah, moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais en tout cas, moi, canard que moi, je vais avoir là, je ne veux pas qu'on coupe ça en deux. Hein. Je ne veux pas qu'on touche à un de mes canards. Donc, ta division que tu veux faire des 17 canards là, si c'est pour couper un canard en deux, ou bien tu penses que tu as une solution, ou bien tu as préparé, puis tu as coupé en deux là, moi, je veux mes canards vivants. Le gars dit, bon, est-ce que vous voulez une solution? Finalement, bon. Et donc, lui, il allait prendre un de ses canards. Il est venu, ça fait 18 canards. Il dit, on va calculer. Là, on a 18 canards maintenant. Hmm? Oui, mais le vieux, il avait laissé 17 canards. Tu viens envoyer 18 canards. Non, ça c'est trop facile. Il dit, mais c'est quoi? C'est quoi? J'envoie une solution, donc vous écoutez. Donc, on a 18 canards. Toi, ton père a dit de donner la moitié, non? La moitié, là. La moitié de 19, de 18, c'est 9, non? Tiens tes 9 canards. Il était content parce qu'il avait voulu 10. Là, mais il avait 9. Il dit, tu prends et puis tu restes là, tu attends. Donc, il lui a donné 9 canards. Le tiers de 18, c'est combien? 6, non? Toi, le deuxième, tiens tes 6 canards. Le 1 neuvième de 18, c'est combien? 2. Tiens tes 2 canards. Il reste un canard à côté. Quand vous additionnez 9 plus 6 plus 2, ça fait 17. Donc les 17 canards ont été départagés selon la volonté du père. Et le chef de terre, il a gardé son canard. Voilà la sagesse du Père. On ne peut pas se passer de la sagesse du Père. La sagesse se transmet de génération en génération. Et c'est ainsi que la solution est venue du 18e canard. Côte d'Ivoire, est-ce que tu acceptes le 18e canard qui va venir départager tes enfants? Le Père qui a laissé l'héritage à ses enfants et qui a voulu que les enfants comprennent qu'en toute chose, on peut trouver une solution. On ne trouve pas de solution quand on n'en cherche pas. Il y a toujours un moyen d'accommoder. Et selon le résultat qui a été donné, selon les calculs qui ont été faits, les 17 canards ont été partagés. Et chacun a eu sa part selon ce que le Père avait décidé. Parce que le Père, il est le socle. La mère, elle donne la vie. Elle éduque. Mais c'est le Père qui fait de nous des hommes. C'est la sagesse du Père qui nous éclaire. Alors, cher Père de Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas perdre votre sagesse. Nous ne voulons pas perdre votre enseignement. Nous avons besoin que vous veniez nous aider à nous réapproprier l'héritage que vous nous avez donné. Si vous avez envie de venir participer à ce que vos enfants sont en train de mettre en place, vous viendrez avec les bras ouverts, avec le cœur que nous connaissons. Alors, quand il y a une situation, il y a toujours une solution. Et le 18e canard, ça va être, dans ce qui nous concerne, le mouvement des générations capables. Qui va venir départager tous les enfants, qui va venir réunir les enfants, qui va apporter des solutions à la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous nous sommes dispersés parce que nous n'avons pas su gérer l'héritage qui nous a été légué. Alors le 18e canard, qui est la solution, c'est lui qui va venir départager les enfants du pays en les mettant ensemble pour qu'ils regardent dans la même direction. Aujourd'hui, je suis habillée comme papa, avec son pagne.
à l'épaule pour rendre hommage à nos pères qui sont silencieux, qui se lèvent le matin, qui vont travailler dans les champs, qui vont travailler dans les usines, qui vont travailler, qui vont trimer pour nourrir leur famille. C'est à vous que je rends hommage ce soir. C'est à vous que je rends hommage ce soir parce que nous acceptons l'héritage. Nous acceptons les critiques que vous nous avez apportées. De là où vous êtes, vous qui êtes morts, vous nous avez envoyé des messages. Vous nous avez dit, c'est pas ce pays-là que nous vous avons laissé. Alors si aujourd'hui, vos enfants veulent se réapproprier l'héritage que vous leur avez donné, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre sagesse, ils ont besoin de vos conseils, ils ont besoin de votre sagesse. Alors, c'était l'hommage à nos pères qui ont la sagesse et qui savent comment tirer les leçons des situations que nous traversons. Côte d'Ivoire, est-ce que tu vas accepter le 18e canard qui va venir départager tes enfants et leur permettre d'avoir, de recevoir l'héritage que tu leur as donné? Il n'est pas question ici de classer le premier, le deuxième, le troisième. Mais c'est un message, comme nos ancêtres ont su toujours utiliser les contes pour nous envoyer des conseils, pour nous éduquer. Alors ce conseil, ce conte, donne un conseil à des enfants qui doivent ensemble trouver une solution pour leur pays. Il commence à faire sombre. Alors, hommage à nos pères. Vous avez vu mon chapeau? Vous avez vu mon pagne à l'épaule? Maintenant, nous allons dire à nos pères que nous avons appelé leur femme. Nous avons appelé leur épouse pour qu'elle vienne avec nous pour nous aider à mettre l'enfant au monde. Parce que quand l'enfant il vient au monde, le père donne son nom. Alors, on a besoin de nos papas qu'ils viennent avec nous au palais des sports, demain 25 septembre, lorsque nos mamans vont envoyer les décoctions pour nous aider à faire l'enfant, à mettre l'enfant au monde facilement, que le père prenne l'enfant dans ses bras et qu'il lui donne un nom, qu'il lui donne son nom. Alors quel nom nos pères vont donner à la Côte d'Ivoire de demain? C'est la Côte d'Ivoire qui rassemble tous ses enfants. Le nom de la nouvelle Côte d'Ivoire, ça va être quoi? Nzassa? Anouanze? Vous pouvez donner tous les noms dans vos langues qui parlent de solidarité, qui parlent de fraternité, qui parlent d'entraide. C'est ce nom-là que nous allons donner à la Côte d'Ivoire. Et comme ce sont les pères qui donnent les noms, nos pères devront être avec nous pour donner le nom à la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va naître du mouvement des générations capables. Parce que nous voulons dire à nos pères que nous sommes des enfants capables. Ils nous ont mis au monde, mais nous avons marché dans leurs pas et nous voulons mériter ce qu'ils nous ont laissé. Nous avons gâté, mais nous pouvons réparer. Et c'est ce que nous allons faire avec le mouvement des générations capables. Maintenant, je leur disais que nous avons appelé leur femme, leur épouse, Simone et Yves Gbagbo, pour qu'elles nous accompagnent dedans, pour représenter toutes leurs épouses, pour représenter toutes leurs femmes de Côte d'Ivoire, alors qu'ils viennent soutenir leur épouse qui va accompagner leurs enfants ensemble. Mais comme tout est parti de quelque chose de précis et que nous avons décidé d'appeler Mme Simone et Yves Gbagbo pour venir marrainer ce que nous allons faire, c'est normal qu'on lui rende encore une fois hommage. Eddie Winner, qui est un jeune Ivoirien, a écrit un texte très fort pour honorer Mme Simone et Yves Gbagbo. Alors, je vais vous faire écouter ça et puis on se dit à tout de suite. Voilà. Check one.
parce qu'elle a choisi d'être une femme capable. On va fouer son honneur parce qu'elle a choisi de dire son mot. Voilà. Alors demain, tous au Palais des Sports. Alors si vous vous sentez concerné par ce qui est en train de se passer dans votre pays, si vous pensez que vos pères et mères ont été appelés, si vous pensez que leur bénédiction est nécessaire dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, parce que nous devons laisser à nos enfants ce que eux ils nous ont légué.
Mais comme on s'est rendu compte qu'à un moment donné, nous avons joué avec l'héritage et que nous avons décidé de prendre nos responsabilités, mais la prise de responsabilité, c'est amener les uns et les autres à prendre conscience que c'est un héritage commun. Nous devons protéger ce que nos parents nous ont laissé. Nous devons veiller sur ce que les parents ont souffert et nous ont transmis dans le sang, dans la sueur. Nous devons veiller sur ça comme la prunelle de nos yeux. Alors, que demain soit la naissance de cet enfant tant désiré qui va être bercé par nos mamans et dont les pères vont donner un nom. Anouanze, Nzasa, tous les noms de fraternité que vous connaissez dans vos différentes ethnies. Demain, dites que la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau nom dans le cosmos, dans le spirituel. Donnons ce nom-là à la Côte d'Ivoire, chacun dans sa langue. Moi, chez moi, l'amour, c'est Waou. Je peux dire que désormais, la Côte d'Ivoire s'appelle Waou. C'est-à-dire que la terre d'amour, la terre de fraternité, Agribelié, nous sommes frères. Je peux décider que la Côte d'Ivoire s'appelle comme ça désormais. Et toi, si tu penses que la Côte d'Ivoire s'appelle Anouanze, c'est-à-dire l'entente, si tu penses que la Côte d'Ivoire s'appelle Nzasa, parce que c'est plusieurs petits morceaux qui se sont mis ensemble, qui ont fait un pagne, donne à la Côte d'Ivoire le nouveau nom dans ta langue. En Guéré, en Wobé, en Yakuba, en Jimini, en Toura, en Abidji, en Ébrié, à Ladjan, Baoulé, Agni, Godier, Bété, Neyo, Kodia, Niaboua, Odieneka, et tout ça. Que chacun donne à la Côte d'Ivoire mentalement dans sa tête demain ce nom-là qui va nous rassembler. La fraternité, l'amour, le partage, le fait que nous soyons ensemble, que nous formions un. Donnons, l'oloukba, c'est-à-dire que chacun peut donner à cette Côte d'Ivoire-là le nom que nos pères vont donner demain à cet enfant qui va naître. Ce sera notre enfant à tous. Nous aurons tous participé à la naissance de cet enfant-là. Alors, frères et sœurs, nos ancêtres nous regardent. Nos parents qui sont morts dans la souffrance, qui ont donné de leur sang et de leur vie, nous regarde. Qu'est-ce que nous allons faire de cette Côte d'Ivoire qu'ils nous ont laissée? Est-ce que nous allons continuer à réagir en fonction de nos intérêts immédiats? Est-ce que nous allons continuer à réagir en fonction de nos appartenances politiques, en fonction de nos appartenances religieuses, en fonction de nos appartenances régionales? Demain, tes enfants vont te demander, qu'est-ce que tu as apporté comme solution à ce que ton pays traversait, papa, maman? Qu'est-ce que tu as fait pour que moi, je puisse avoir quelque chose que moi aussi, je vais léguer? Je vais rechanter la chanson encore. C'est vrai que mes deux sœurs ont chanté. Je vais la rechanter pour faire la conclusion. Alors, je me suis habillée comme ça, dans ces couleurs, ces belles couleurs royales. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire a un grand destin. Alors, vois cette couleur-là. Essaie de te projeter par rapport à cette couleur-là. Elle est belle, elle est apaisante, elle est attirante. Que ta Côte d'Ivoire soit comme ça dans ton esprit. Parce qu'une si belle couleur, on ne peut pas avoir envie de la salir. Je me suis habillée comme ça pour rendre hommage à mon pays, pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés depuis la marche de notre pays. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour que nous prenions conscience que nos parents nous ont laissé quelque chose. Est-ce que nous allons continuer à dilapider l'héritage qu'ils nous ont laissé? Non. Alors tous pour le mouvement des générations capables, qui va réunir tous les Ivoiriens, qui vont réfléchir ensemble pour leur pays. Alors, le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations, dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. L'histoire te regarde, Ivoirien. Qu'est-ce que tu vas dire demain? La balle est dans ton camp. Bye bye, à demain.